Eh bien salut à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est différente de d'habitude. Déjà je suis en compagnie de... Coucou Souli. D'ailleurs si vous êtes abonné à mon Instagram, d'ailleurs hein, il s'affiche là. C'est l'aventurier de mes stories, c'est l'homme qui n'a pas peur de la nature, qui n'a pas peur de défier les lois de la gravité. Cet homme est exceptionnel. Aujourd'hui dis-nous Suleiman, pourquoi tu es venu chez moi? Alors tout simplement je suis venu aujourd'hui seulement pour jouer à UFC. De base. Le temps qu'il arrive j'ai eu une idée, éclair de génie. J'ai vu ma mère, elle a investi une machine de milkshake là. Mixeur, McDo, milkshake au Big Mac, mais on a commandé sur Uber Eats, ouais. Il va arriver à 16h25, le petit Big Mac. On a pris un milkshake avec, en fait, pour comparer un bon milkshake avec un milkshake au Big Mac. Donc le milkshake, ça va juste nous servir à le boire, en fait. Si ma mère savait que je faisais des bails comme ça avec son nouveau mixeur, elle va t'enculer. Tu sais qu'elle va t'enculer. En plus, ça sentait le nouveau. Oh, celle-là, elle donne pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal, quoi. Suleiman, comment on va faire? Toi qui es pro du mixage d'hamburger depuis des années. Je suis pro déjà depuis des années. Et tu sais déjà qu'on va être obligé, malheureusement, de le retirer, tout simplement. Et de le découper après, parce que là, ça va pas le faire, je pense. Ça va pas le faire. Oh my god. Ouh, avant de le faire passer dans tout ça là et de le découper, on va pas quand même taper un petit mort. De voir à quoi il ressemblait avant de... Même un petit, hein, faut pas déconner, mais... J'aime, normalement je devais arrêter les fast-food et tu me redonnes envie, putain sale bâtard. Un dernier petit mort là, c'est plus fort que moi le gars. Mais gros, mais mange-le, fais un truc genre je mange un Big Mac, hein. T'as bien raison, ça va être très utile de faire ça. Donc on a pris aussi du sucre, je sais pas pourquoi c'est lui qui a l'idée de prendre du sucre. Le lait, parce que quand je fais des milkshakes, j'ai toujours utilisé du lait. Ah ouais, je pensais que tu découpais mieux un burger que ça quand même. Ah ouais, mais toi carrément, ah ouais. Par la Mexico mon gars, c'est plus efficace. Eh, ça fait mal de voir ça, hein. Imagine genre on fait un mélange et ça donne un putain de mélange. Bon, ML ça devient tout bon, on commercialise, donc on fait un partenariat avec les McDo. Oui, oui, oui. Ça ressemble. Je l'envoie de l'autre côté. Il l'envoie à bon port. Je peux pas toucher avec la main, c'est tellement deg. On dirait une poubelle, gros. Vraiment déchet ça. Ouais. Et tu veux pas rajouter la salade? On va mettre un peu de salade pour que ce soit healthy, un tu connais. Un peu côté vegan. Boum. C'est très bon la salade dans les milkshakes, j'ai lu dans un forum. C'était très bon pour la circulation sanguine, donc c'est avec plaisir que je le fais. Donc voilà les amis, comme vous pouvez voir, ça va être très appétit. Non. Et je mange ça tous les matins avec beaucoup d'amis. Donc là ce que je propose, c'est qu'on va mettre un peu de lait pour donner un petit goût de lait. Oh l'assassin! Oh l'assassin! Oh l'assassin! Ça m'a fait le cœur. Ah là 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 là. Terrible! Oh mon dieu! Je crois que c'est bon là, non? C'est très très bon. Vous savez qu'en Papouasie, c'est très reconnu. Tous les matins, les enfants, vous allez à l'école, ils mangent ça. Donc, Pardon, t'as fait de la recherche. Ah oui, j'ai fait de la recherche en Papouasie, c'est comme ça. Par contre, on n'a pas pris de cuillère à sel, du coup en mode freestyle. Voilà, freestyle, ouais. Vous voyez, vous faites boum. En mode free. Regardez ça, c'est super healthy mon gars, j'adore. Les amis, ça a l'air délicieux. Non. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire Suleiman? On va mixer tout ça. Ah ouais ça fonctionne, ah ouais là j'ai été surpris. C'est le plan le moins pro du monde. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ah tu sais que je pensais que ça allait pas fonctionner. Ça fait un Big Mac. Depuis tout un temps c'était un Big Mac. Les amis, c'est pas grave. Ce qui se passe, c'est une super vidéo. J'adore ce que je fais au moins YouTube, c'est cool. Putain, je sais pas quoi dire là. Vraiment, je pensais que ça allait pas marcher, mais là, ça marche. Putain, l'heure. Tourne un peu pour voir si c'est bien liquide. Oh là 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 là. Mixe-le encore un peu. Mixe-le encore un peu. Et on va passer à la dégustation. Ouais, je pense. Hein. Putain, j'espère qu'il n'y aura pas quelque chose du vivant qui va sortir. Les amis. Noni. L'odeur du Big Mac, mon gars. Oh mon dieu. Oh, une saison d'arte. Oh putain, gros. Ça, c'est pour vous, santé. Quoi ça, gros? Regardez ce qu'il est devenu notre Big Mac. Peut-être maman regarde à la telle heure. Vas-y, fais couler, fais couler. Oh, c'est quoi ça? Je fais couler. C'est du Big Mac, ça, mec. Oh, dang. Pouah, oh, ça a l'air appétissant, les gars.
Ça a l'air doux de chez doux. Ah, bang bang bang. Eh, la tête de ma main, ce truc est vivant. C'est pas possible, bro. Eh, on doit les terminer, c'est... Oh, damn. Oh putain, tu sais que mon gant, on va mourir aujourd'hui. C'est sûr que là, il y a un Big Mac. Un Big Mac avec du lait et du sucre. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Ah, c'est dégueulasse. Ah non, c'est vraiment dégueulasse. Ah, c'est chaud, j'ai même pas assumé. D'habitude, ce genre de truc, moi les gars, franchement, je suis un survivant, mais là, c'est vraiment dégueulasse. Oh putain. Oh putain, gros, c'est quoi cette merde? On doit au moins avaler une gorgée. Avaler une gorgée? Ouais, obligé. Au moins une gorgée. Bon, mon gars, double santé. Putain, vas-y. Oh putain. Ah, franchement, c'est vraiment pas bon, sans abuser. J'avalais, putain. Gros, c'est dégueulasse. C'est un peu chaud comme ça. Ah, si, on aurait dû prendre des glaçons. Il est malade. La vérité, on doit encore au moins prendre une. Encore une dernière. C'est la première fois que t'apparais dans une de mes vidéos, donc on doit en prendre une dernière. Vas-y. Et après... Après on tue Mitchek. On compare avec l'autre Mitchek. Je pense qu'il y a rien à comparer. Je pense que c'est vraiment... Ouais, il y a rien à comparer. Non, c'est rien à comparer, bro, tu sais que c'est... Non mais vraiment, pour toi, comment tu décrirais ça? Je vais pas te mentir qu'il y a aucune description, c'est seulement un Big Mac liquide. Ouais, c'est vraiment dégueulasse. Et on sent des morceaux. Je sais pas comment dire ça, mais tu vois, genre quand on mangeait ce qu'on mangeait quand on était bébé. D'habitude, t'as vu, mais il y a rien qui me... Mais là, c'est vraiment pas bon. Aïe, coup dur pour Guillaume. Il y a une dernière là, vraiment, c'est... Hey, vraiment les gars. Vraiment une dernière. Hey, c'est la dernière. Je fais ça pour ce bâtard. I'm done. Oh, moi c'est mort. Oh, bah non, on va comparer là ça. Oh. J'en ai besoin. Mais check vanille, les gars, ça fait trop du bien. C'est comme mon ventre là. Non, franchement, c'est vraiment pas bon. Et là, on abuse vraiment pas. Autant il y a des gens sur YouTube, ici, ils abusent, ils font des trucs bizarres et après. Ah, là, c'est dégueulasse. Là, j'aime pas, quoi. C'est impossible de valer. Testez chez vous. Vous verrez, c'est dégueulasse. Peut-être qu'il fallait rajouter d'autres ingrédients, mais là, je pense que même avec ça, c'est dégueulasse, gros. Je pense que ta mère va nous tuer. Je vais nettoyer ça, t'inquiète. Maman, si tu vois cette vidéo, ton mixeur est très efficace. En tout cas, moi, je vais vous montrer un peu quand même l'état des lieux. Hein, l'état des lieux. Je pense que c'est assez propre, hein. Non, je pense que ça se voit, la femme de ménage est passée il y a pas longtemps, quoi. Les gars, je vous jure, c'est dégueulasse, mais vraiment hard. Non, je pouvais pas, je te jure. Ce fut un plaisir. Et si vous voulez revoir Souleymane, vous me le dites dans les commentaires. Il y aura son Insta dans la description, tout ça, t'inquiète, il sera... On va venir faire des vidéos ensemble. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir. Et vous avez vu, vraiment, c'est dégueulasse. Un mot pour décrire ce que tu viens de boire, là. Bijou. Ils vont pas comprendre. Il faut un vrai mot. En fait, je sais pas, la vérité, c'est vraiment pire que de la merde, on va dire. C'est visqueux. C'est quand même qu'on l'a bu, c'était. Ça prenait du temps à arriver à. Ouais, vraiment. Mais en fait, ce qui est. Tu vois, si t'as eu ça, Tu le voyais arriver. Non, tu vois, je disais, oh merde, il loot. Tu vois, genre, il arrive. Attends, Bopper, on va leur montrer directement. Le truc est arrivé à toi. Putain de merde. Et là, il arrive dans ta bouche, mec. Le mot de la fin, tartine, salade, tomate, oignon, mon pote, c'est très bon pour la santé. Et toi, petit mot de la fin.